Mais ce que j'aimerais, c'est retrouver la clé du bordel. Je vais récupérer la clé et la remettre sur la table. Allez, on va lâcher la clé ici. Attends. Voilà, parfait. Et on va se chier dessus, c'est moi qui vous le dis. À mon avis, je pense qu'il y a une porte là-haut qui fait que ça ouvre. Ah, ça c'est normal, c'est moi qui ai jeté le vase dessus. Eh ouais, j'ai jeté le vase, il était pas content, voilà, c'est ça. Y a-t-il un screamer de l'autre côté? Oui, bien sûr! Ah ben il ferme les portes. Ah ben il peut aussi ouvrir les portes et fermer les portes. Eh ben, oui. Alors lui normalement, comme tout bon cliché d'horreur, il ferme la porte mais il se barre après. Voilà, hein, c'était évident. Mais il est toujours caché dans le coin. Regardez là. Oh. On va laisser ouvrir au cas où s'il faut se replier. En courant, en mode tapette. Ouh, la chambre est un peu en bordel, on peut le dire. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans cette chambre, mais je ne voudrais pas le savoir. Oh, il est là, regardez. Coucou. Petit bonhomme. Putain, c'est là, il saute sa gueule, c'est là, il grossit de 20 mètres, tu sais. Plus grand que la maison. Voilà. Éternel cliché des jeux d'horreur, il pleut dehors, évidemment. Bon, ça s'entendit, je pense, avec. Note de William Craven. Et moi, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui arrive alors que je lis une note. Même si les coups de père m'étaient portés sans retenue, je détestais encore plus les mensonges incessants de mère. Les voir mourir était comme une révélation. Il y a eu une beauté dans la mort que je n'ai jamais oubliée depuis. Oula, c'est glauque, c'est très glauque. Est-ce que c'est la chambre du petit, ça? Apparemment, le père le battait et la mère est mentée. Coup de presse. Un article de presse décrivant la diminution significative du nombre de sans-abri et d'indigènes à Dubfuil passe en Virginie de l'Ouest. Un chef de police s'attribue le mérite de cette purge de la ville. Ah ben oui, il y a plein de petits bonhommes là. Ah ben à mon avis, je pense que c'est le gros. Ah, lui, là, en rouge, là, c'est le chef, à mon avis. Et à mon avis, ils vont tous se réunir. Là, c'est les petits, genre, c'est le gros, mais en petit. Ils vont tous se... Ah! Putain de sa mère! Putain de sa mère! Va fermer la porte au nez, ce con! Putain. Qu'est-ce que je disais? Ils vont tous se réunir en un gros, ils vont faire une connerie. Eh ouais, ouais, ils ont fait une couille, en effet. Allez, ouvre le coffre. Il rigole, il rigole. Ouais, c'est ça, rigole, rigole, on verra bien qui rigolera le dernier. Allez, balestec, moi je l'ouvre ton coffre, là. Allez, faut tout. Ah! What, y'a une main? Une pile de photographies sombres et floues de six hommes et femmes nues recouverts de traits de peinture rouge. Ils dansent autour d'un orbe en verre. La disposition de la pièce semble être celle de l'étage supérieur d'une bibliothèque. Oh, il a carrément défoncé la porte. Ah, la lumière, la lumière. Oula, c'est quoi ça? Ah non, je sais ce que c'est. Ça te fait croire que c'est une grosse ombre, mais en fait c'est un effet optique. C'est les petits comme ça, là, c'est celui qui était là-bas, qui est tombé, et avec l'ombre, ça lui a fait une putain de grosse portée d'ombre. Voilà, qu'est-ce que je disais, c'est lui qui est tombé. Bon, on peut sortir. Bon, tout ça pour nous dire qu'en fait on va aller au-dessus de la bibliothèque. Mais pourquoi ça éteint la torche à chaque fois? Oh! Ah! Bonjour! T'es gentil. Ben oui, t'es gentil. Je te fais un bisou. Mouah! Allez, au revoir. Ta mère. Fils de chien! Mais putain, mais ouvre la porte! Enculé! Oh,
Vous vous effondrez sur le sol et sombrez dans les ténèbres. Dites-moi que le checkpoint n'est pas très loin. Hall d'entrée, d'accord. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Le checkpoint, c'est le début du jeu. Il n'y a pas de sauvegarde. Et il n'y a pas de checkpoint. Eh bien écoutez, on va pas tout reprendre. Donc écoutez, je vous dis voilà, donc c'était le début, on va dire, du jeu. On est allé hein, pas loin, on n'est pas très loin, mais bon, c'était quand même bien à voir, je pense. Bon, moi j'ai quand même pas mal rigolé, même si ça se voyait pas trop, hein. Voilà, mais bon, c'était quand même pas mal à voir. Voilà, j'ai compris trop tard qu'il fallait tirer sur le truc du rideau pour ouvrir, je crois, enfin, peut-être prendre la clé, ouvrir la porte, enfin, je sais pas exactement, mais j'ai vu qu'il y avait une lanière de rideau à tirer. Ma foi, je me suis fait tuer avant. J'ai voulu faire le malin à faire un bisou à la statue et bah, il m'a tué, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Peut-être la suite dans un. Prochaine vidéo peut-être allez 60 60 par 60 allez aux 120 abonnés je ferai la suite donc où j'essaierai de recommencer de faire la suite de Craven Manor et bien voilà je vous dis donc à très bientôt pour de futures vidéos c'était The Mister Gamer à vous les studios n'oubliez pas de liker commenter vous abonner pour que aux 120 si vous avez aimé cette vidéo je fasse la suite allez salut à tous et que Dieu vous porte. Je sais pas. Allez, salut à tous, c'était The Mister Gamer, à vous les studios.